dans l'épisode précédent. Doucement, respire un peu, garçon. D'abord, ça va pas être facile d'arriver jusqu'à Bloom, même avec mon aide. Ray, tu le briefes pas sans moi, j'espère. On était censé faire ça ensemble. C'est les bases du profilage, ça. Ouais, sauf que ce que tu sais pas, c'est que Bloom a d'ores et déjà mis la main sur ces fameuses données. Ah ouais. Putain, c'est bon ça, Citara. Les données de Noodle permettent à Bloom de renforcer le Bellwether et leur contrôle sur leurs marionnettes. Si on arrivait à les récupérer, on pourrait attaquer plein de cibles différentes. Ok. Voilà. Bon, il est où le GPS ? Eh, hey, vas-y, reste assis. C'est bon, je vais trouver, ok ? Ok. Ratio, putain, je stresse trop, là. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a personne comme nous. Eh ouais, bienvenue dans la Silicon Valley. Caroline. Brody. Grosse journée aujourd'hui, hein ? Je suis impatient, pas toi ? Tu sais, tu pourrais nous dire ce que tu as fait dernièrement. Les recherches que tu as faites, les gens... Je vais juste me faire un café, espèce de fils de pute. Excuse-moi ? Je vais juste me faire un café. On a tout ce qu'il faut comme preuve pour te virer. Je veux juste l'entendre dire. T'imagines pas à quel point j'ai envie de t'aimer. Vous refusez de coopérer et j'en suis sincèrement désolée. Je ne peux que vous conseiller de faire appel au service d'un avocat. Oui ? Vous avez identifié les frappes ? Je vois. Merci. Je suis affreusement désolée. Et il semblerait que nous ayons commis une énorme erreur. Je... Eh ben voilà. Toutes mes excuses. Non, non. Vous pouvez partir. Je suis content que ce soit réglé. Oh, non, c'est pas possible, il faut... Monsieur Goodale, asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous ressemblez... Oh, attendez. ...à quelqu'un qui dispose d'informations très précieuses. Bon. Dites-moi tout ce que vous savez sur DedSec. Maintenant, la suite. Salut à tous les amis, c'est Dr. Play, on se retrouve pour le 10ème épisode sur Watch Dogs 2. Si on se rappelle bien... What the fuck? Ok. Alors si on se rappelle bien, on a essayé d'introduire Noodle, mais on a galéré comme pas possible. On a quand même réussi à s'introduire, et j'ai galéré sur le montage, voilà. Donc du coup, on va faire le 10ème épisode, et donc du coup, bah on va conduire le véhicule de Noodle. C'est stylé le véhicule. What the fuck? Pourquoi j'ai un chat? What? Attention, c'est un fou! Bah non, je suis pas fou. C'est faux. Attends, bah, va voir. Oh, le véhicule il est rapide hein, quand même. Eh, hein. Hey, attends, faut pas croire. Hein. What the fuck? J'ai un chat. What? Ah, attends, des points de recherche. Déjà, j'ai eu des points de recherche. Ah, c'est quoi ça? Alors ça, on connaît déjà ça. Ah par contre, ça va nous intéresser, c'est pour la police. Ah je sais pas si ça va nous intéresser en fait, réellement. Adresse au tir. Ah la capacité de piratage par contre. Elle nous intéresse. Alors là, celle-là. 2, 2, 2 et 2. Et bon, on va augmenter de 2, j'ai envie de vous dire. Let's go. Voilà. Hop, et puis bricolage. Engin explosif, voilà, nickel.
Alors attendez. What? Alors attendez, il faut qu'on rentre au QG, je crois. Ah, Hackerspace, on peut y aller directement. Bah attends, pourquoi il y a deux Hackerspace? Ah, c'est celui-là. Oh, on va y aller avec notre véhicule, on va y aller. On pourrait faire des trajets rapides, mais bon. C'est tellement facile de trouver. On a combien? Ah, on a quand même 2000 mètres. Oh, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un trajet rapide. J'ai en plus plein de... un truc là qui... trajet rapide. Ouais, let's go. Bon. Alors, je sais pas pourquoi on a un chat qui s'est ramené sur le... truc, mais c'est assez marrant. Il dit que le mec est un dead sec. On peut pas la laisser nous salir comme ça. Essaie d'arrêter ce type. Redors un peu notre blason. What? Ok. Bah, let's go. Let's go. Bien sûr, cette salope de Lenny. Citoyen du monde! Veuillez m'accorder votre attention de crétin décérébré. Tête sec, tête sec. N'est qu'un énorme tas de losers bons à spammer vos flux RSS. Ils prétendent être les garants de votre libre arbitre. Alors qu'ils ne sont qu'une bande de bidouilleurs qui ferait n'importe quoi pour un peu de popularité. Mais c'est fini tout ça. Moi, je vais leur donner une bonne leçon. Et vous, Densek, si vous pensiez que je ne peux pas... détruire votre système. Eh bien, dans ce cas, vous me connaissez mal. Et je vais squatter un peu pour corriger ça. Dis-moi que c'est juste Kiki. Ouais, c'est juste Kiki. On fait le ménage dans les félins pendant que Joss essaie de trouver la clé de cryptage. Oh, t'es gueule, putain! Ok, bon, je pense qu'on peut leur déclarer la guerre, là. Ouais, on va pas laisser ces trolls nous traîner dans leurs égouts. D'être sec en coup pour coup. Et après? Ça fera quoi d'être en guerre avec eux? Ça enlèvera pas l'avantage qu'ils ont pris sur nous? Ça changera rien? Ils ont pu entrer! Vas-y, on s'en bat les couilles. Hé, hey, écoutez. On va pas laisser Primate nous enterrer. Faut qu'on gère ça bien. Ok. Primate vend des exploits zéro day à quiconque peut se les payer. Ouais, ça veut dire gouvernement, Bloom, Noodle, jusqu'à des groupes terroristes. Et les Sons of Ragnarok. Quoi? Mais ouais, les Sons of Ragnarok. On sait que Primate bosse régulièrement pour eux, non? Alors on se démerde pour en savoir un maximum sur leurs membres et leurs opérations. Chez Dead Sec, on se couche pas, devant personne. Yo Josh, tu te réveilles ou quoi? D'accord, c'est la guerre. Vas-y, pousse-toi. Je vais faire passer le message sur nos canaux. C'est obligé qu'ils aient des ennemis susceptibles de nous filer des infos. On va bouillaver leur grand-mère. Putain, il y va fort, lui, hein. Continuez à bosser sur Kiki. Je vais aller parler à Lenny. Tu sais où la trouver? Elle va souvent dans une boîte du côté de Castro. Ouais, je vois laquelle. Ok, nickel. Bah, let's go, alors. Allez, on va aller la voir. Cette pouillave de grand-mère. Quoi, hein? On va se calmer. Oh. La police locale est de plus en plus inquiète face aux actes de violence du gang des Tescas. Ils ont récemment été reliés à plusieurs assassinats d'East Bay, dont l'incroyable violence a été décrite comme extrême, même chez les gangs, selon les experts. Ouais. Le chef de la police a déclaré officiellement que CTOS et les forces de l'ordre protégeraient San Francisco contre les organisations criminelles dans toute la mesure permise par la loi. Ouais. Nickel. On va aller voir là, cette pute. Le mec, il n'y a pas de respect pour contre elle. Marcus, t'as une seconde? Ouais, qu'est-ce que tu veux? J'ai regardé un peu l'algorithme qu'on a récupéré chez Noodle et il y a un truc qui va pas. Les données qui balancent sont toutes fausses. Tu veux que j'aille jeter un œil sur place? Ouais, si tu peux. Ok, je m'en occupe.
Mais on fait quoi là? Ah, on va aller voir Lenny avant. 911 $. D'accord. Où es-tu, ma vieille? Tu crois ça? Un connard a fait 5000 balles de travaux dans sa baraque avec son TKL. Allez, on va lui parler. Let's go. Yeah! Badass! Oh, bien. Bon, je te mets la puce. Attends. Laisse-moi kiffer un peu. Regarde-moi cette braine. Alors, dis-moi. Combien de pauvres chinois t'as enfermé dans une cave pour traquer mon code magique? Franchement, je dis respect. Maintenant, ce que je demande gentiment, parce que sinon tu me donnes la clé et je t'embête pas plus longtemps. Ah, un ransomware. C'est abruti. Et tu veux quoi, exactement? Oh, juste que vous fassiez une de vos vidéos à la con. Waouh, je savais pas que tu faisais partie de nos followers. Ah, vous voulez que des foules d'internautes vous adorent, hein? Bah pas tant que je serai là, bordel. Aïe! Ce que je veux, c'est une vidéo dans laquelle vous dites au public que DeadSec est à chier et mérite pas 2 minutes, ni même 2 secondes de leur temps. Et faites ça bien, hein? Pleurnicher un peu. C'est tout? Ouais. Pour l'instant. Mais si vous le faites pas, je balancerai publiquement tous vos blazes. Ah! Eh ouais. Vos petits noms à vous, vos identités, toutes les pages jaunes et blanches de DeadSec, bitch. Dis donc, tu nous laisses pas vraiment le choix, on dirait. Eh non. Bon, allez. Sois sage. Et surtout, maintenant tu te dépêches et tu vas aller me faire la vidéo que je viens de te demander. Nickel! Alors? Qu'est-ce qu'elle veut? En gros, elle veut qu'on fasse une vidéo où on dit qu'on est nul. Alors là, elle peut toujours courir. Oh si, on va faire une vidéo. Sauf que c'est elle qui va passer pour une débile. Les Ragnarok utilisent les Primates pour installer un malware sur des distributeurs. Alors ce sera les distributeurs. Ils gèrent l'opération depuis leur point de rendez-vous habituel, Randa's Diner. Je vais envoyer Gouli en reconnaissance. Retrouve-le une fois que tu seras sur place. Nickel. Non, hop. Ok, les gars, on va suivre la mission. Merde. La bonne nouvelle. J'avais dit qu'on allait poursuivre la démission et elle. D'accord. Alors, où sont les noodles là? Let's go! Voilà, on a quand même 2000 mètres à faire. Bon, on va arriver rapidement, je pense. On va 1400 mètres, ça ira. Wouhou! Allez, 1000 mètres. Ah, pas où? Ah, quoi que, attends. Désolé. Faut pas tout avoir facilement, j'ai envie de dire. On arrive bientôt. 400 mètres à peu près.
Ok, on va aller les voir. Yo, Gouli. Bien ou quoi, Rétro? Les Ragnarok payent les Primates pour hacker des distributeurs, c'est ça? Ça fait longtemps qu'ils utilisent de faux lecteurs de cartes. Mais ça rapporte pas énormément. Mais depuis que les Primates ont mis un malware sur les distributeurs, ils ont triplé leurs revenus. Pas étonnant. Le code récupère les données et envoie une copie au Primate. Ni l'utilisateur, ni la banque se rendent compte de ce qui se passe. Ah, mais nous aussi. Eh ouais. Ça devrait pas être trop dur de modifier leur code. T'imagines comment les Sons of Ragnarok seraient vénères contre l'ennemi Primate si jamais il arrivait quelque chose à leur opération? Ouais, c'est ça l'idée. Mais ça va être dangereux. Tu ferais mieux d'y aller, Gouli. Ok, mec. Bonne chance. Ouais, je risque d'en avoir besoin. Nickel. Ok. Donc là, on doit accéder à l'intérieur. Ok, nickel. Oh! Ah, attendez. Ok. Ok, les distributeurs sont là. Détruis-les. Vas-y, fais-toi plaisir. J'attends qu'il vienne. Trois. Deux. Un. Ah merde. Ça, c'était pas prévu, ça. D'accord. Ok, un. Un moi. On reprend le contrôle. On a réussi à la traverser. Ok, nickel. Wow, dégage! Je le répéterai pas, dégage! Ah, il faut les détruire. Ok, il y en a un détruit.
Ok. Allez hop, le deuxième. Ah. On va voir que quelques secondes. Putain, ils ont même mis un détecteur ici, il faut le faire. De deux. Le troisième. Ok. Le dernier se situe à l'intérieur. D'accord. Est-ce qu'on peut y accéder par le toit ? Ah oui, on peut y accéder par le toit. T'es clair là, non? C'est comme si un million de gens escroqués par un zéro day venaient de pousser un cri de gratitude. Lenny va avoir beaucoup de mal à expliquer ça aux Sons of Ragnarok. Ok, on y va alors. Let's go! Et là, voilà! Mission accomplie. On va se mettre sur le côté, hop. Et maintenant on n'a plus qu'à attendre savoir la prochaine mission. Espèce de putain de hamster, fils de chien de la casse sceptique, bite de molard de dragon enculé. Lenny, tu devrais faire du télémarketing, tu sais. Ah, au fait, on va pas la faire ta vidéo. Ouais, bah tu sais quoi. Rien à battre, je m'en bats les couilles, rien à foutre. Je sais que votre serveur est toujours bloqué. Ah merde, j'ai un humain, j'ai un corps. D'accord, j'ai un corps dans ma voiture. Un peu bugué même. Voilà, c'est bon. Lenny a raison, Marcus. Kiki est toujours inaccessible. On s'en fout, fini de jouer. On va chez eux et on prend la clé de déchiffrement. D'après nos infos, Primate a un bunker. Ah ah. Un bunker ? Mais on n'a pas de coordonnées. Lenny s'est fait implanter une puce RFID. Ça peut pas nous aider à la retrouver ? Ouais, c'est possible. Cool, je vais aller la voir alors. Râle le cul de ces conneries. Wrench, t'es mon backup. Chef, oui, chef. Nickel. Obtenir la position grâce à Lenny. Bah, let's go, j'ai envie de vous dire. Alors, faut qu'on aille voir Lenny. Bah, let's go, hein, j'ai envie de vous dire. Allez hop! Désolé. Ça va, t'as de la chance, t'es toujours vivant. Allez hop, on y va! La voiture a fait du bruit de malade.
Hop, 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 putain. Ah, j'ai fait de la merde, là. J'ai fait grave de la merde. Ok, nickel. What the fuck? Ok. Bon, on démarre la mission. Let's go. T'es sûr que tu veux continuer? Vous me foutez la gerbe. Et tu sais pourquoi? À cause de vos vidéos de propagande, les graffitis, toutes vos conneries anti-système bien pensantes. Vous prenez tellement au sérieux, bande de baltringues. Hey, tu viens nous attaquer, mais faut que tu comprennes. On est tous dans le même bateau. Ensemble, on pourrait même... Hey! Non mais oh, tu m'as prise pour une noob? Tu délires ou quoi? Faut vraiment que tu sois une sacrée quiche pour que je vois aussi clair dans ton jeu. Ah, je me suis dit que ça valait le coup. Ok. Bouhou, pauvre chou. On va voir ce que vous arrivez à faire sans serveur. Loser! Ah ha ha! Merci pour le code. Oh oh! Je dis pas non. Allez, on démarre! On a localisé le bunker des primates. Et Lenny se doute de que dalle. Ou pas? Oh, ça va, faut pas la surestimer non plus. Let's go, on va se faire le bunker, les gens. Range, question vitale. Alien versus Predator, qui c'est qui gagne? Mais c'est archi débile comme question. Les aliens, ça utilise les Predators comme incubateur pour perpétuer leur espèce. En mode, je te fous un lézard dans le bide. Et les Predators, bah ils viennent d'un monde où soit tu chasses, soit tu crèves. Sans pitié quoi. En gros, ils ont besoin des xénomorphes pour s'entraîner à devenir des guerriers d'élite. C'est un écosystème bien pourri où il n'y a pas vraiment de vainqueur. Ok, laisse tomber le côté scientifique. Imagine juste qu'ils se foutent sur la gueule. Qui c'est qui gagne? Hein? Attends, on parle de Ridley Scott ou James Cameron, là? J'ai préféré la suite, disons Cameron. Marcus, Marcus, Marcus. Va falloir qu'on parle de tes coups de chiottes en matière de cinéma. Contre un alien de Cameron, vu qu'ils sont plus agressifs, le Predator gagnerait, facilement. Il serait largement devant au niveau technologique. Du coup, il aurait aucun mal à gérer les attaques du Xeno. Mais c'est comme si tu me demandais qui gagnerait entre un humain et une horde de zombies. Les aliens, eux aussi, ils chassent en meute. Ok, ok. Combien il faut d'aliens alors pour que ce soit équilibré contre un seul Predator? 3. Je pense qu'un Predator avec une lance de Yoja pourrait en maintenir 2 à distance avec son arme. Mais un troisième devrait pouvoir se rapprocher suffisamment. Et même s'il le tue, le sang acide risque de le blesser. Ouais, je sais pas. Faudrait que je mette leur stat dans un algorithme et que je calcule les probas. Les deux ont affronté Judge Dredd, c'est pas mal. Et puis les aliens, ils ont affronté Batman. Mais Predator aussi? Et puis, oublie pas Superman et Batman versus Alien et Predator. Qui c'est qui a gagné? Je me rappelle plus, mais on s'en fout. Tu sais quoi? Je dirais qu'entre tous, c'est Predator qui gagne. Ah ouais? Et pourquoi? Schwarzenegger, mec, comment il a pris cher! Putain, c'est vrai! Il a failli battre Schwarzy! Faut être balèze pour presque le battre, lui. Et sinon, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Ouais, parce que l'hippopotame... Eh oui, c'est quand même très très fort! Bon allez, on se concentre. On se concentre. Les mecs, ils parlaient de... Il y avait plein de références. C'est quoi le plan? Entrer, trouver la clé, libérer Kiki. On peut garder le bunker? On peut, hein? On peut? Ouais, seulement si t'as de nettoyage. Pff, elle m'oblige toujours à nettoyer. On va commencer par rentrer, ok? Ouais, déjà pour rentrer, après.
Sale bunker. Ok les gars, comment on fait? Bon, bah y a pas moyen de déverrouiller la porte. Quelqu'un a un plan B? Ah, attendez, j'ai quelque chose. Il y a un vieux conduit d'aération. Il doit être recouvert par la végétation. Je vais le trouver. Ah merde, je l'avais pas vu lui. Ok, attendez, on va essayer d'accéder. Ah, on peut pas accéder comme ça? Non. Si. Non. Ah bah non. Ok, essayons d'y accéder comme ça. Bon, déjà, on sait où c'est. Ok, c'est quoi? Oh! Merde! C'est l'un des nôtres! A toutes les unités, on a un 10-31. Avis de recherche pour un criminel en fuite. Le City West détermine la position du suspect. Agissez avec la plus grande prudence. Ok, on laisse se faire arrêter. Ah, c'est absolument magnifique. Faut que je prenne une photo vite. Oh merde! Ok, nickel, on est rentré. Comme si deux personnes ne le voyaient, c'est ça. Personne ne l'a vu rentrer. C'est nickel. Wow. Oh le bordel. Je suis entré. Oh, ça pue la bière et le fromage de pied. Rien à foutre, dépêche-toi de trouver cette clé. Touche pas à mes affaires. Ah, salut Lenny. Je suis chez toi et je fous le bordel. Tu prends mal, mal, malin, c'est ça? Ah. C'était ma sécurité contre les sols de Ragnarok. Mais ça va le faire aussi, là. Faut bien que je protège mes disques durs contre les indésirables. Ah merde. C'est Lenny? Elle va faire sauter le bunker. Pardon? Y en a combien? Deux, non, trois. On dirait que... Oh merde! Peut-être quatre. Elles ont pas l'air connectées. Du coup, y a peut-être pas d'ordre. Y a combien de nœuds? Essaie de trouver une autre sortie. Putain, les gars! J'ai besoin de me concentrer. Ok. Comment dire qu'on est dans la merde? Je trouve pas le moyen. Il
Ok, alors là, on a intérêt justement à des... Ok, alors attends. Ça va où? Ça va en haut, d'accord. Donc il va falloir que je dédie les active ailleurs. Ah merde. Ok. Deux. Le troisième, là. Devrait avoir facilement accès. Hop. Ok, le quatrième. Merde. Nickel. Mis à part que... Et voilà. Putain, foiré. Espèce de... Fils de rat, chien maudit. Ah oui. Ah, bah voilà. On dirait que les bombes c'est réglé. C'est pas fini, enfoiré. Oh, si. Je crois que si. Si, si, on croit que si. Nickel. Et ben voilà. Est-ce qu'on a récupéré Kiki du coup? Plus qu'à voir si on a récupéré Kiki maintenant. Est-ce qu'on l'a récupéré? Yo Marcus, bienvenue dans le nouveau Hackerspace post-primate. Et on s'est enfin débarrassé de leurs odeurs. Quoi déjà? Yep. Wrench a dû mettre pas mal de bombicides, mais après, wouh, c'est allé vite. Va jeter un œil. Oh, notre nouveau QG. Nickel, on a... Oh la vache. Oh merde. Oh non. La pile à la fin de l'épisode, on crève. On a réapparu où? Oh nickel, on a réapparu ici. Attendez, on va aller voir le... On va aller voir le nouveau Hackerspace du coup. Hop là. Ok. Allons voir le nouveau Hackerspace, les gens. Celui qu'on a piraté il y a pas longtemps. Ah, il y en a un nouveau code. Combien de temps pour ouvrir? Toujours aussi long. Allez, on va y revoir ça. Bah nickel. C'est qui elle? D'accord. On a des gens qui se sont infiltrés, ok nickel. Bon, je pense que ce sera toutes les petites missions à faire de ce côté là. On les fera, y'a pas de soucis. Bon, sur ce les amis, merci d'avoir regardé l'épisode, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis, avec votre famille et tout ça. N'hésitez pas à regarder les anciens épisodes de Watch Dogs 2 du coup, de ce côté-là, parce qu'il y en a d'anciens hein, qui sont bien apparus depuis longtemps. Et sur ce, je vous dis bonne journée à vous tous, portez-vous bien et à bientôt les amis. Peace. Je dis peace, non c'est bye tout le monde.